là, pendant Kriv et Salgar, vous vous êtes rendu où la porte? Mm-hmm. Oui. D'un coup, il y a comme une petite meurtrière là, qui se rouvre. Face à face avec Kriv, tu vois deux yeux surpris qui te voient. Et vous entendez « Aux armes! » C'était pour nous ou c'était pour eux? C'est celui en commun? Hey, c'est vrai. Je vais. Non, c'est en nain. En nain? C'est bien, je comprends, moi. Je comprends le nain aussi. Ah, moi, en nain aussi. Fait que tout le monde comprend, à part moi. Ouais, fait que je vais te répondre, sale gars. Hey, t'avais raison, c'était des nains ici. Ah, ben, on va te bien accueillir! Je suis pas sûr de ça. Et je sors mon arc et j'encoche une flèche. Ok. Oh oh! Roulez vos initiatives. Pourquoi ça fait tout le temps en bataille, Colin? Deuxième onglet. Je cherche. My god, j'ai fait un. Non. Ah, c'est le moine en plus, les mecs. Mais non! C'est inacceptable. Moi, je vous en marre, mais c'est correct, je t'habitue. on t'avait dit de désactiver ton script là pour avoir pour nerfer nos GD là. Oh, il y a pas mal de dés bleus là, ça va faire. Il y a beaucoup de nains aussi. Ben, ça on est un peu pas. Chez eux, là, fait que c'est. L'avantage, c'est qu'il y a deux portes, fait qu'ils peuvent pas toutes passer en même temps. C'est ce que je pense. That's what she said. Ouais, c'est ça. Je peux-tu juste faire ça? Ah, il grossit pas automatiquement, le petit maudit. Ah, c'est chiant, ça. T'as peur. Lui fait ça. Il est dans le fond. Oh, pas long là, faut que. Fait. On avance au prochain. As-tu encore de l'huile? Voyons. Siony? Ou tu l'as tout utilisé? Non, je crois que je l'avais pas utilisé en fait. Bon, l'autre, elle rouvre la porte. Je pense que quelques nains poignés en pain, ça pourrait être le fun à brûler, hein? Je dis ça comme ça. Le nain devant toi, tu vois qu'il rouvre la porte, puis en même temps, il grossit. Ah! D'accord. Est-ce qu'il se retrouve tout nu ou pas? Ouais, oh, non. Chaldor, il avait raison. Tout grossit avec lui. Ah, Chaldor avait raison. Ah. Alors, Salgar, c'est à toi. C'est à moi? Ok. Ouais. Ben, moi, il n'y a rien à en avoir moi. Diplomatie. Non. Diplomatie. Pour ouvrir la porte. Diplomatie. Ça va être ton free action. Tu me parles à moi, ça? Ben, je vais faire ça ici, sur mon bâton. Comme bonus action. Puis. Je vais ouvrir la porte. Puis, est-ce que je peux attaquer? Ouais. Ok. Ben, moi, on m'a dit que t'as pas des amis, finalement, fait que... Mais qui a dit ça? Confiance. Hein? Qui a dit ça, que c'était pas des amis? La Shioni. Shioni a dit qu'on allait pas être bien reçu, fait que... Moi, j'ai entendu aux armes, fait que... c'est pas... Hey, on a des visiteurs, c'est plus... Ouais, on va... Ouais, en tout cas, mais oh, ouais... Le bon. Bourguignon, on a des invités! Donc, un coup de bâton! Ah, oh, boy! Qu'est-ce que t'as fait avec tes dés? Qu'est-ce que t'as fait avec tes dés? Ouais, faut que tu te rapproches de... Ah, oui. Tiens. Bon, bah, écoute, un échec encore. Ça commence bien. Aïe, aïe, ouais. Non, mais ça, c'est un signe. Faut pas te battre. Fais-tu autre chose?
on vient en paix. Ah oui, écoutez, je vais tout... avant de commencer, je vais tout vous donner une inspiration. Ah, dans le fond, vous n'avez déjà tout... Ah, moi, j'en avais pas. Un à part Cini. Parfait. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'utilise, ouais, je pense que oui. Ah, oh, c'est pas obligatoire. Ouais, mais quand t'en donnes puis on a déjà, c'est triste. Donc ouais. Oui. Fait que ouais, il faut que tu l'utilises. Mais tu peux attendre pour un moment plus critique, là, quand même, qu'au début. Oh, oui, sûrement. Est-ce que je peux me... Ah non, pas là. Oui, non, tu peux te déplacer autour sans déclencher d'attaque d'opportunité. Ok, parce que je pourrais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, genre. T'es-tu passé par en avant de lui? Passer ici, passer comme ça. Ouais, tu peux faire ça. Bon, ben, je vais me mettre comme ça. Ok. Tiens. Puis là, viens juste de voir comme... Oh non! Il y en a un autre! J'avais pas vu! C'est parce qu'il y a un mur. Il pensait bien faire, mais non. C'est ici, c'est un mur. Mais c'est ça, il l'avait pas vu. Mais bon, c'est tout. Question comme ça, moi j'ai quand même déjà interagi avec des nains ou, tu sais, un peu. Est-ce que je reconnais que ça, c'est un Duergar, là? Oh, ouais, tu le reconnais. Oui, regarde. Un quoi? J'ai des nains gris, c'est pas des enfants de cœur. Ah, ok. Je veux dire à laquelle, ouais, on sera pas bien accueillis ici, même si t'es un maître de diplomatie, puis je lance une flèche. Donc, vous réalisez quand même que c'est nous les agresseurs, là. Ouais. Voyons. Est-ce qu'il arrêterait de nous attaquer si on sortirait? Là est la question. Je peux pas vous le dire à moins en étant. Faudrait que je sois méta pour vous le dire, puis je veux pas. Sachez ce que votre personnage sait et c'est ça. Oh ouais, clairement. Ce que mon personnage sait, c'est que les portes sont ouvertes et puis on a entendu aux armes. Le mec, il doit croire qu'ils se font attaquer. Et est-ce qu'on les attaque? Ah, c'est sûr que si tu t'envoies une flèche, là, il n'y a plus de doute. On les attaque. Ben, je suis pas la première à l'attaquer de toute façon. Ça le garde ouais. Juste avant. J'ai donné un coup de bâton, là. Magique. Oui, mais un petit coup de bâton, tu as loupé ton coup. C'est genre, t'as trébuché, quoi. Moins 5, ça fait 16. Ouais. Est-ce que je touche avec 16? Oui, oui, à 16, ça touche. Ça touche. Ok, ça touche. D'accord. Ce qui veut dire que j'ai pas le plus 1 des 8 parce qu'il n'y a pas de dégâts qu'il a pris déjà. Par contre, il va se prendre plus 1 des 4 plus 10. Donc, en tout, 23 de dégâts. Apply damage. Voilà, alors il est proche de la mort, mais il est encore là. C'est autre chose. Ah ben, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Non, non. Ok. Kriv. Ouais, le combat est déjà bien enclenché. Diplomatie. Fail. Bon, ben, je fesse dedans. J'aimerais savoir, par exemple, vous parliez de Ningri. C'est pas des morts vivants. Non. Non. Ok, cool. Ben, je dirais que ça peut l'être, mais... non. Ben, je pense pas, là. Regarde. Ben, j'aimerais spécifiquement regarder pour ça, mon cher MJ. Qu'est-ce que t'aimerais regarder? Okay, ben, savoir si c'est mon vivant. Ok, ben, tu vas prendre ton action. Ouais, ok, bon.
Ah, oh, puis je fasse dedans. C'était avec ton detect, je sais pas quoi déjà, là, ton... J'ai pas de detect, moi, de... je crois. Ah, oh, okay. Non, c'est le mauvais personnage. Ça aurait été plus une question d'ouvrir les yeux puis de regarder ben, comme il faut, là. Mais... OK, non, ouais, c'est... Ils vont prendre une action, ça me tente pas, ça. Ils m'ont fait ça dedans. Ça va être ça. Fait que... Je fais un pas en avant, ce qu'il faut que je le fasse. Ça t'appuie sur un reach de... Ça fait longtemps, hein. Ça fait... Je sais même plus si, si j'ai un reach de 2 ou non, là. Toi, avec ton... Non, faut vraiment que tu te pognes dessus, hein. OK. Bon, ben, allons-y avec un bon coup de longsword. Est-ce qu'il faut que je fasse d'autres choses avant? Je pense pas. Allons-y. Public crawl. Normal. Eh oui, ça touche. Ah, cool, à peine, mais ça touche, c'est bon. Fait que... Damage... Bon, 10. Allons-y avec... Tu peux, juste avec ta première attaque, là, ici... Ah, ouais, ton 10 de dégâts, il s'écroule au sol mort. OK. Puis il reprend sa forme... Normale. Ouais. Combien de pas je peux faire pour faire encore une action? Tu peux. T'as 30, fait que t'as fait 5, t'en restes 25. Tu peux te rendre à l'autre facilement. Ok. C'est bon. Prochain coup, ça va être à lui. Ah, c'est bon ça. 23. Oh, oh oui, ça te touche. J'espère. Oh! C'est un Christ. Non, c'est ça, un dommage, ça. OK. C'est juste 12. 12 de dégâts. And that's all I have to say about this. Oh, c'était lui. Alors lui, il pogne son javelin puis le lance sur Salgar. Mais je suis innocent! À 18. Et je bloque avec mon bouclier. Ting! Ting! Ah, t'as 20, toi, c'est vrai. J'ai 20, moi. Ok, fait que sinon, ben, il va se rapprocher de toi. Ah, ça a combien de déplacements, ça? Ah, il est capable de se coller sur toi. Hein? Oh non! Vous n'êtes pas très joli, mon brave. À Raquel. Moi, je suis désespéré, sincèrement. Je veux dire, sous mes yeux, en quelques secondes, la situation, ça a été l'escalade de la violence. Il se passe quoi, là? Mais c'est quoi ces agresseurs sanguinaires qui me servent de compagnons? Est-ce que je peux lui répondre en roleplay ou j'ai pas le droit vu que c'est son tour? Oh oui, vas-y. Genre, ok, est-ce que tu sais ce que c'est que des drows? Par rapport à des elfes. Tête, ouais, j'en ai entendu parler. Bon ben, t'as déjà pris une bière avec un nain? Où est-ce que tu vas en venir? Ben ça, c'est un peu comme des drows, mais pour les nains. T'as envie de prendre une bière avec eux? Va leur demander voir si ça leur tente. Ah bah c'est sûr que maintenant c'est plus possible, il y en a un qui est mort. Bah je peux te garantir que même avant ça avait pas été possible. Ouais. Bon, alors. Je suis désespéré. Je vais me déplacer jusque là, hop. Et je vais aller donner un petit coup de main à mon petit Salgore là. Le pire, c'est que je te comprends tout à fait, là, tu sais. Je suis... Elle est passée où, la diplomatie? Et donc ben, ça va être 3 attaques contre ce cher... Ce pauvre nain qui avait rien demandé. Je dirais, il était là, chez lui. Oh, tu le manques. Je le manque. Tu vois, j'ai même pas la conviction, là. J'ai même pas la conviction. Tu sais, j'ai pas la conviction. Non, vraiment pas.
Et j'ai droit à une attaque bonus. Non. Non, pas. Vous voyez, j'ai pas la conviction. Je sais pas pourquoi je me bats là. Sincèrement, tu vois. Oh. Ok, c'est à lui. Lui, il est là. Il va. Il va se déplacer sur Kriv, puis il va essayer de te sacrer un coup de maillot. Oh! Ah ouais, ça va être un peu. Là, lui, c'est. C'est parce que les autres, ils ont comme deux stats de maillot. Là, faut que j'enlève lui. Deux tapes de maillot, ok. Ouais, c'est parce que quand ils sont enlarged, puis quand ils sont pas, puis ils les combinent sinon. Fait que. Ouf! 3. Fait que, nous aussi, on a une conviction. Enlarge your dwarf. Ouais, c'est ça. Après ça, t'as l'autre qui est là. Ah, lui, il va courir, sauter par-dessus la table. Ah, il veut pas. Puis là, il se ramasse là. Puis, il peut rien faire d'autre. Après ça, t'as l'autre qui est là. Il va juste s'approcher, lui. Ok, nouveau tour. Le gros papa du hager. Alors, il prend chacune crive. Oh non! Tu disais? Vivait. Il est trop loin, il s'en va là. Ensuite, lui, il s'en va là. Lui, il est mort. Salgar. Oui, ben, je vais. Je vais attaquer lui aussi. D'accord. À coup de bâton. Oh, oui, ça touche. Parfait. 8 points de dégâts. Parfait. C'est noté. Puis, ça va être tout. Sioni. Attends un peu. T'es à 30 pieds, toi aussi. Ok. Je pense que je vais faire bless sur mes trois compagnons. Oh. Je suis juste à 30 pieds et tout, là. Tu nous blesses? Traître! Traître! Ah non, non, non! C'est Lune, aide-nous! Viens en aide à mes compagnons! Voilà. Et ça, c'est. Ouais, ça va être mon action. Puis, comme mouvement, je vais. Est-ce que je peux. Voyons, je peux pas me rentrer? Ah oui, parce que je. Oui, attends un peu. Ouais, je vais venir ici. Oh! Oh! Ok! J'avais pas vu. Voyais pas ce bout-là, hein? J'avais pas vu, monsieur, là, que. Oh, c'est correct qu'il fasse pas fort. Ben écoute, ça sera pour le prochain tour. Ça va être fini pour moi. Je peux pas rien faire d'autre, malheureusement. Yves! Donc, on a un beau, excusez. Il fait l'attaque d'un bras, puis il mange de l'autre. Ouais, c'est ça. J'ai découvert une cuisse de poulet dans le coin, fait que. Peut-être un snack pendant que l'autre essaie de me fesser. Donc. Ouais, je vais fesser dans le gros. Parce que ça marche bien, hein? On va espérer, hein? Tu m'as fait blesse, hein? Ça fait que c'est un des quatre de plus, hein? Oui, c'est ça. Oui. Ok, un, parfait. Un des quatre à ton jet. Est-ce que je fais plus un des quatre ou. Est-ce que je fais plus un des quatre ou un des quatre dans Situation of Bonus? Hein? Un des quatre. Ok, je fais pas de plus. Ok, c'est bon. Il se posait additionner. Oh! Tabarnak! Ouais, hein? oui, ça touche. Ben, j'espère. Ok, mais pas pour le dommage, par exemple. Non. Ok, cool. J'arrive même à lui tailler la barbe.
28 ne redit ça touche pas, c'est retraite immédiate. Hein. Ah oui, c'est... 28, bon. Là, je pars à courir, là, je vous laisse là. Il est proche de la mort. Il est proche de la mort? Ok. Ah bon, ouais, attends, c'est comme un sioniste, c'est-à-dire, genre, tu vois, on ouvre la porte, il y a un nain, tu balances une flèche, tu vois, mais quand il y a des problèmes, hop, tu nous abandonnes. Ok, c'est comme ça que ça marche entre nous, alors. Ça, c'est un peu moins bien, par exemple. Là, ça marche pas pendant tout. Ça marche pas. Bon, mais au moins, j'ai fait une bonne taille de barbe. Next! Bon, alors, Salgar, il essaye de te donner un coup de pic. Ok, ben j'allais le faire pareil là. T'as une réaction, mais là ça changera pas grand chose. Mais si jamais lui il me fait aussi, ça va fonctionner. Je fais ceci. Fait que je vais avoir un plus 5 juste à ma prochaine attaque. Okay. Mais là, oui, là c'est dindant là. Oh, yoï! 2-6. Ok. Jusqu'à ton prochain tour. Ouais, j'ai plus 5. Fait que j'ai 25 de cloud armor. Ouais. Ok, à Raquel. Je vais me cacher derrière lui, moi. De glace d'armure. Ok, non, je vais continuer à en prendre contre le gars là. Je pense qu'il, j'ai vu qu'il a blessé, mon compagnon Salgor, donc je vais être un petit peu plus méchant, surtout que j'ai un bless sur moi. Donc, t'aurais pris de la conviction finalement, oh, c'est ça? Oh. Voilà, 19. Hein. Ah, c'est ça bon, touche. Hop, ça c'est la première attaque. Attends un peu, ça veut dire qu'avec un 20, t'aurais eu 32. Bordel. Ensuite... Non, 31. Deuxième attaque, c'est parti! Oh, ok, 28. Là, ouais. Oui, ça touche. J'espère. Attends, il a touché... Il fallait pas faire dodo, faire bobo à Chalda. Il a touché à mon ami. Il est proche de la mort. Et le troisième en tant qu'action bonus, c'est parti. Et oui. Et voilà. Et là. La machine à coups. 5. Il s'écroule. Là, je lui remonte un uppercut qui le soulève du sol et il s'écroule en arrière dans un craquement de vertèbres. Moi, je lâche un ha ha. C'est de la poésie, ça, clairement, là. T'as raté ta profession, mon cher. Ouais, non, mais je vais me multiclasser barde, en fait. sur ce, je veux... Attends. Je peux me déplacer. Oui. Je vais aller porter assistante à Crive. Okay. Par là-bas. Ouais, je vais... Mais en fait, ça sert à rien que je me déplace tout de suite, là. T'es pas obligé. Non, ça sert à rien. Ça me met à distance de combat de mon adversaire. Moi, tu te pointes le gros en avant de toi, là. Ah, mais tu le vois pas, hein? Non. Il y en a un gros, tu s'en viens! Non, je ne le vois pas. Écoute, je vais rester là, je vais être embusqué en surprise. Ok. Je fais sa place. Mon token va être mieux de même. Bon. Ok, fait que là c'est à lui. Lui il attaque Crive. Oh yeah! Manqué. Ensuite, là, faut je pogne un critique, là. J'ai pas... Non, j'en veux pas de tricite. Eh! Oh! Aïe, aïe. Ouais, lui, il est quand même... Ah, ouais, il peut se mettre là. Puis il va lancer un javelot à... Ah, il...
Oh non, il va tirer un javelot à Salgar. Et il se plante le javelot dans le pied. Oh ouais. Après ça, l'autre qui va attaquer, le géant va attaquer Kriv. Aïe, je sens que ça va faire mal. Oh non, attends un peu. Ah, tu t'es trompé là. Il y en a un trop. Ouais. Trop de billes. Tu sais, je me plains pas. Tu fais juste manger 10. Je me plaignais pas, ah, hein! Non. Ouais, c'est ça, 10, ouais. Ok, tape un peu. Il est où le. Au pire, tu peux faire moins 10 dans ton direct dans, ou ta vie. Puis ah, ok. Juste moins 10. D'accord. Et voilà. Ouais, lui, je pense que je vais. Ah, de toute façon, ça rien, je le modifie, il risque de tomber. Bon, lui, il est là. Ah non, là, il est un peu. Non, il est-tu de la bonne grosseur? Ah ouais, ok. Il s'en va là. Alors, j'ai une question. Son javelot, il a aussi grossi de taille? Ouais. Oh my god. Puis là, il donne un coup de javelot sur Arakel. Vous savez que c'est une stratégie anti-paladin, ça. Dans ADD, le paladin pouvait avoir une arme, c'était l'épée sainte justicière qui avait une aura d'anti-magie autour d'elle, tu vois. Et donc, alors je ne sais pas si c'est une vraie stratégie qui un jour a été mise en place ou juste une histoire, un truc comme ça. Mais imagine, tu prends un gros arbre, genre le séquoia, tu vois. Tu fais un sort de réduction dessus. Donc il arrive à la taille d'une branche. Tu le tailles en forme de flèche et tu tires cette flèche contre le paladin. Au moment où la flèche rentre dans la zone anti-magie, elle reprend la taille d'un séquoia. Oh yes! Oh my god, j'aime ça! Et le paladin se prend une espèce de gros arbre. Je suis contente de ne pas être un paladin pour l'instant. Ça le garde, c'est à toi. Oui, je vais attaquer lui aussi. Je me déplace comme ça, j'ai pas d'attaque d'opportunité, je fais juste non, comme ça. Non, c'est ça, t'es correct. Ok, bon ben je vais faire comme ça lui il pourra pas, en tout cas il va avoir de la misère peut-être là. Il va avoir pas mal de monde en avant de lui. Je vais donner un tout bâton, let's go. Oh, j'ai oublié mon dé 4. Wow. Oh, tu peux. Touche. Un drôle 9 points de dégâts. Et je rappelle, c'est magique. Et voilà. Fais-tu autre chose? Non, j'ai pas grand chose de bonus à Tion. Tionny. Je vais attaquer celui-là, vu qu'il a l'air pas mal en santé. Trop à mon goût. M'aller chercher quoi à boire, mais j'écoute. Ok, je vais prendre un moins 5 afin d'espérer d'avoir un plus 10. On va voir. Ça n'aurait pas marché de toute façon, donc un beau petit 8. Non. Ouais, non, il n'y a pas grand chose d'autre que je puisse faire pour moi, là, pour ma part. Fait que, ouais. Ça va être tout, malheureusement. Yves. La suite. Longsword. Je crois que ça marche. Ah, c'est sur lequel? Le gros? Où je continue avec la même personne. Celui qui est moi aussi, qui est proche de la mort, on va dire. C'est bon. On va en finir un. On espère. 7 de dégâts. Il s'écroule au sol en reprenant sa forme normale. Et je me retourne vers celui d'à côté et j'essaie d'y faire le même sort. Vraiment que tu pourrais te prendre un coup, là, par exemple, mais bon. One can hope. Un petit critique, ce serait le fun. Oh, c'était pas loin. Ça a passé proche.
Mais ça touche, oui. Ouais, ça touche. Donc, 9. Là, et voilà. Dommage que les critiques, c'est pas du 9. Hein. Arakel. Alors, c'est une très bonne question, savoir ce que je fais. Écoute, là, j'ai l'impression que mes compagnons se débrouillent bien, donc, je vais me faire une tasse de thé. Écoute, je vais me faire un petit tricot. Hein. Ouais. Non, je vais venir en soutien de Salgor, là, ouais. Ici, là, voilà. Hop. Et je vais attaquer le méchant nain qui s'en prend à lui. Allez, c'est parti. Et j'oublie pas, j'ai toujours un des quatre. 14, ça passe pas, hein. Non. Bon, deuxième attaque. Ouh, 15. Non. Toujours pas. Je teste, en fait. C'est, tu vois, je suis en mode de testeur informatique. Où est-ce que ça passe? Oh, oui, ça passe. Ouais, non, 24, ça passe, oui. Oh, d'accord. Il est un moine informaticien. Huit de dégâts. Donc, 8 de dégâts. Est-ce que tu te déplaces? Non, je me suis déjà déplacé pour venir à côté de Salgor. Mais non, en fait, mais tu peux couper ton déplacement. Là. Non, non, mais je... Oh ouais, tiens, je vais mettre derrière Salgor. Tiens, hop là, voilà. Alors, et... ça génère une attaque d'opportunité. Ah merde! Non, alors, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là. Cela dit, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors techniquement, par rapport, j'ai peut-être raté deux trucs, mais en fait, vous me voyez plus envoyer les poings et les pieds à droite et à gauche pour déconcentrer mon adversaire, et à un moment, pam, pitch net, à 8 points de dégâts quand même. Mais à aucun moment, je n'ai raté d'attaque là, vous êtes bien conscient. Visuellement, je fais des techniques. Alors, Kriv, tenez, t'attaques. Oh là, 21. Il est pas mal bon, ce nain. Ben, ces deux nains-là, en fait. Mais bon, ça n'empêchera pas de mourir. 5 de dégâts. 5 de dégâts. Je ramasse ça bravement. Il va se... Oh, c'est là. Ensuite, c'est à lui. Intéressant qu'il se tasse. Il va... Ça louche, il va se coucher. Si. Puis, même qu'il va aller là. Fait que Salgor, t'as une attaque d'opportunité. Parfait. Salgor, ouais. Oui. Est-ce que tu pues? Non, je ne pue pas. T'as... Pourquoi t'as dit que tu pues, là? Je comprenais plus, genre. Oui, mais c'est ça. Je me demandais si t'avais encore ton nuage de sport qui pue. Non, je l'ai pas fait. Ah, ok. C'est pour ça que j'ai pu m'approcher de lui. Alors, ouais, lui, il attaque à Raquel. J'esquive avec grâce. Là, il va continuer son truc. Il va aller là. C'est une esquive à la matrice. Il utilise quoi, une hache? Non, un pic. Warpic. Voilà. Donc, tu vois, le pic qui frappe de taille, là, tout ça, et moi qui me courbe en arrière. C'est beau. Bon, lui, il va s'en aller par là. Puis, il va se enlarge your name. Et voilà. Et il descend. Puis là, OK, il va s'asseyer là pour Salgor, là. Il pétait sa carapace. Ah! Et non! Hey, ça me prend un bon chiffre. C'était lui. Il va descendre là, lui. Comme ça. Puis il va attaquer Kriv. D'habitude, je suis chanceux avec Kriv. Ah! Difficile.
Lui, il est un petit peu moins... ouais. Un peu trop jeune. Salgar. Yes. On va y aller pour le coup de bâton à celui qui est gravement blessé dans mon dos. Moi, Tétien, tu veux me poigner la queue de tortue? C'est non. Oh non! Ça ne tente pas de faire de la soupe de tortue, c'est ça? Non, trissette, coup de bâton, je lui arrache la tête. Et voilà, il est mort. J'en regarde l'autre en avant avec des... Tu fais un cri de tortue. Kawabunga! ok, faites ça autre chose. Non, c'est tout. Yanni. Moi, je vais viser celui-là, là, ici, là. Parce qu'il y a des possibilités que... Donc, je vais prendre un moins 5 en espérant que... Oh, non. Même sans le moins 5, je l'aurais échoué. C'est bon. Ça va être tout, malheureusement. Yves. Ah, oh, ben, continuons dans la bonne direction avec un long sword. Oh oui, ça touche. Merveilleux. 11. Bon, c'est bon. Voilà. Proche de la mort. Merveilleux. On y a envoyé un dernier coup pour le terminer. 4. Non. Oh, c'est 13. Oui, oh. J'avais vu 3, moi, j'étais comme oups. Ok, merveilleux. Ça m'arrange. Oh ouais, juste assez. Il ouais. S'effondre. Je fais un swing d'épée acrobatique parce que je suis comme... Ça va bien. I'm in a good mood. À Raquel. Alors, moi je vais continuer... Bah, le gros en face de moi, là. Je vais tenter de lui faire mal. Allô? Oui. Pardon. Oh, j'attendais que tu roules, t'as été dégoûté. Ouais, alors... Voyons voir. Attaque, allez, c'est parti. J'ai toujours le D4. Oui, j'ai toujours le D4. Ouais, 22. Ouh, ouais. 22, ça passe. De toute façon, plus c'est gros, plus c'est facile à toucher, non? Regardez, 10, pas 10. In your face. Un point d'intuit. Ah, ah oui, c'est vrai qu'il est, il est plus grand, c'est plus facile. Ah, ben, il y a des feux plus grands aussi, hein? Donc, ça touche 17. Ah, 17, ça touche. Là, ah bah par oui, contre, là, comme je refrappe au même endroit, il est déjà un peu anesthésié. et là, il a. Ouf. Oh non. Je pense que là, il va y avoir une explosion de parties génitales. Anesthésie, this. Voilà, j'ai commencé... Il m'a lancé qu'un seul dé. Regarde, j'ai mis... Ouais, mais ça dit que c'est un critique. Ah ouais, c'est bizarre, hein? En plus, ça marque critical hit. Ben oui, c'est bizarre. Tu fais apply. Ah ben, de toute façon, avec ce qui reste, écoute, là, tu le tues. Alors, effectivement, premier coup, dans les parties génitales, il se plie en deux. Deuxième coup, au niveau de la tête, ça le redresse. Et dernier coup, directement dans le plexus solaire, et là, il s'écroule. Est-ce que tu te déplaces? Non. Ouais. Je vais me déplacer. Je vais un petit peu avancer pour voir ce qu'il y a. De l'autre côté. Oui, il est gros celui-là.
réaction. Il y a une grosse créature. Ouais, littéralement. Ah, pis c'était lui, justement. Bon, mais écoute, il passe par-dessus la table. Je l'avais pas vu. Il doit pas faire un jet d'acrobatie. Non. Oh, je suis sûr que... L'enjambe facilement. Elle est trichée de sa pleure ce soir. En passant, un pause, s'il vous plaît. J'ai un mot qui s'appelle Silver Barb. En réaction, est-ce que ça marche pour les autres personnes? C'est un feature. Non, c'est un spell. Silver Barb. Ouais, c'est une réaction, en fait. Ouais. Je pense que je peux le faire même quand c'est pas mon tour. C'est ça, la réaction, c'est tout le temps, là. Ok, fait que je pourrais le faire en réaction pour cette créature-là qui a attaqué. Oui, tu peux le faire. Ok, c'est bon. You can choose a different creature, fait que oui. Ok. Fait que je caste cette spell. Attends. You can see. Faut que tu la vois. Je le vois. Elle voit du coup. Oh, oui. Ok, c'est bon. Elle voit. Bon, pis là, lui... Des avantages. Exactement. Et je vais donner avantage, bien sûr, à mon cher moine. Bon, fait que là, il faut qu'il roule. C'est chiant, mais c'est légal, ça. Ouais. C'est réussi quand même, mais au moins, c'est pas un critique. Ça, c'est des affaires de Witchlight, là, pis plus ça va, le monde les interdise. Parce que dans les games normales, ça, c'est comme trop fort, ça vient débalancer, ça fait. Mais on le savait pas, fait que... On va faire avec. Bon, fait qu'il touche quand même. Je le fais pas trop souvent. Bien joué! Non, c'est la première fois que je le fais ever, fait que... 11. Ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Hein? Ouais, ça aurait pu faire vraiment beaucoup plus mal. Mais voilà quoi. 11, bon, là, c'est 11 ça passe. En dessous. Alors, il attaque encore Kriv. 20, ça touche. Ouais, ça touche. Ah, c'est encore. Attends un peu. C'est 9 de dégâts. 9, parfait. Falgar. Oui, il part de la main, je pars pas à côté de lui, fait c'est bon. Oh, ça dit que je peux pas. Comme ça, peut-être? Ouais, parce qu'il y a un petit mur. Là. Ok, c'est bon. J'ai-tu besoin de m'approcher de même? Ah, t'es correct, là, ouais. Tu peux le fesser. Fait que je vais l'attaquer, coup de bâton, à Raquel, parce que il est drôle, puis il me dit que Kriv va avoir de l'aide de Sioni en bas. Donc, c'est un coup bâton! Shit, ooh. Ok, ouais, ça touche. Et oui, j'ai le pain de mollet. Et un drôle 5 de dégâts sur le mollet. 4, voilà. Oui, méchant nain! Je parle en géant pour l'insulter. Le pire, c'est que ça se peut qu'il comprenne, ça dépend. Ben oui, c'est ça! C'est exactement, c'est ça! Et je parle pas le nain, mais je parle le géant, puis c'est ça. Ben moi, j'en vois qu'un, fait que je vais attaquer celui-là. Je vais appliquer un moins 5, en espérant que... Ouais, moi, ça roule pas bien, ce soir, là. Pour vrai, là, c'est de la merde. Fait que c'est bon. Riv. Bon, ben, on va essayer de finir celui-là, hein? Fait que... Ok, je crois que ça va. Ouais. Oh! 5. Ça pourrait aller mieux. Next. Oh, ah, ça c'est pas mal mieux. Ouais. Yes. Fait que... Je réitère.
Oh! Oh! 12. Fait que le premier, voilà. Je l'ai accroché, j'ai rampé les jambes, et après ça, j'ai donné mon petit coup. J'ai toujours pas autant de talent pour raconter les histoires. Next! Ok. Eh bien, je vais dépenser un key point pour balancer un Fury of Blow, parce qu'il m'a énervé, là. Hey, en passant, t'as pris ton avantage? Ben, là, je vais avoir un avantage pour attaquer, justement. Oui. Oui, ok, c'est bon, merveilleux. Je voulais juste m'assurer que tu le saches. Ouais. Et donc, première attaque avec D4 et avantage. Ooh. Et c'est un 20. Oh boy. C'est un 20. Donc, est-ce qu'il va me refaire le coup de... Et il me lance qu'un seul dé. Je sais pas pourquoi. Tabarnak. Donc, bah, roule là, parce qu'en réalité, ça vient doubler toutes les dés. Fait que... Bon, je vais appliquer le double dégâts, là. Donc, t'appliques... Oh, gap. Ouais, mais tu... Apply double damage. Ouais, mais attends. Mon bonus, il est doublé, aussi? Non, ça double juste toutes les dés. Ça double juste les dés. Donc, en fait, c'est 5 de plus qui se prend. Ok. Fait que je vais y appliquer ça. Puis 1 moins 5. Ou enfin, 5 de plus, non. Enfin, il faut que je lance le dé, en fait, quand on y réfléchit. En tout cas, ça, pour là, c'est pas un combat. Tiens, voilà. 4 de plus. C'est bon. Bon. Donc, ça, c'était ma première attaque. Et comme j'avais dépensé un point de. Ah oui, je dois faire ma deuxième attaque de mon action de combat. Remarque, comme j'avais dépensé un key point, j'ai mon open hand technique qui s'applique. Ouais. Et donc, écoute, il va se prendre... Je lui impose un saving throw de dextérité. Ou sinon, il se retrouvera prone. Dextérité. Ok. Il va vraiment énervé, hein. Ouais, je pense qu'il va. Ah, 13. Oh, c'est ton. Proficiency, je pense. Alors, attends. Comment. Alors, open end technique. Peut-être que si je fais ça, on va voir. Non, il m'a pas calculé mes trucs. Ah, c'était une. Dextérité. Habituellement, c'est en proficiency plus 10. Toi, t'es level quoi? Et il n'y a pas. Ça serait 15. Je pense que c'est 15. Ce serait 15, hein, ma voix. Ouais. Je suis désolé de pas. De pas ben, normalement, c'est 10 plus ton chiffre de dextérité plus ton proficiency. Fait que. Ouais. Ah, c'est dextérité en plus. Ok, oublie ça, là, il l'a manqué. Ouais, il l'a manqué. Ouais, c'est 17 là. Il se fait foirer sa table. Ouais, fait qu'il tombe prone. Donc, ben, il se retrouve prone. Très bien. Alors, ça, c'était ma première attaque. Je vais faire ma deuxième attaque. Avec avantage. Ouais, j'étais déjà. Un double avantage peut-être? Non. Non. Ça n'existe pas. Oui, wish. 28. Donc là, j'ai le 18 qui passe. Et ouais. je fais mes dégâts. 6, 10. Boah. 10. Oh oui, c'était assez pour le tuer. Voilà. Et je suis énervé parce qu'il me manque, deux attaques. Donc je frappe dans la table. Et puis voilà. Non. Ok, c'est juste. Mais je peux me déplacer peut-être. Oui, tu peux te déplacer. Il en reste un là. Parce qu'il me reste deux attaques bonus. Ça marche? Oh oui, tu en as même assez, je pense, pour te rendre à l'autre. Ah, je virevole dans tous les sens. Oh ça. Non. Le carnage. Par contre, lui, il n'y a pas d'avantage. Non. Ah non, mais... L'autre, il m'a énervé, là. 16, ça passe. Oh oui, ça passe. En plus. Oui. Yes. Christophe est en feu, là. Avec un 7, il touche. Wow. 10 points de dégâts. Oh, puis il est mort. Là, vous m'avez vu énervé. Vous m'avez vu énervé. Oui. C'est bon. Aïe.
Bon, ben... Il y avait pas juste ça ici, là, hein? Il y a beaucoup de sang sur cette scène de combat, je trouve. C'est une couleur que j'aime bien, le rouge. Mais bon, je tiens comme ça. Bon, alors la pièce est... L'entrée est maintenant remplie de sang. De corps de Dwagar, c'est sur le sol. Oh, il... On passe par-dessus un cadavre. Mais la pièce est maintenant vide. Ça semble être des baraquements, là. Ouais. Est-ce qu'il y a de quoi d'intéressant dans la pièce pour qu'on puisse en apprendre plus sur ceux qui nous ont attaqués ou en fait qu'on a attaqué? Enfin, je sais plus. Tu as dit qu'on a attaqué. C'est une pièce toute en pierre, directement là, taillée dans la montagne, est illuminée par des brasiers au charbon. Là, vous sentez l'odeur un peu de la fumée, là, puis il y a comme un peu de la fumée aussi dans les airs. Puis c'est une architecture humaine. Ah, il y a des portes là aussi. Ah, nice. J'écoute à cette porte-là. Moi, je vais fouiller les lieux pendant ce temps. Ok. Par laquelle tu fouilles? Tu cherches rien de particulier, toi, tu vas juste fouiller? Oui, tout à fait. Ok. Fais un jet de perception, Kriv. Moi? Ok. Oui, ouais, t'as dit t'écouter. Ah, oui. Perception. C'est où encore? Voyons. T'as peu, perception. Ah oui, c'est resté en... Ah, oh, ok. On va l'avoir. Perception. Clique sur le nom, ouais. Ouais. 14. Ok. T'entends rien de particulier. Ça semble être vraiment calme. On dirait que l'épaisseur de la porte de pierre semble étouffer les bruits provenant de l'autre côté. Puis toi, Raquel, tu fouilles, puis tu trouves rien d'intéressant. En tout cas, une chose est sûre, si les murs et les portes sont assez épaisses, peut-être que ce qu'on a fait pour attirer l'attention, ou si ça a attiré l'attention, ben, tout le monde s'en fout. Moi, je fais ça sur mon ami Triv. Vois qu'elle est blessée. Alors, pourquoi ça l'a pas ajouté le pile qui a tardé dans le fond 6 points de vie? Oui, ah. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a une espèce de statue en haut. Elle a pas l'air très commode. Est-ce que tu l'examines? Ah ouais? Ben, je vais l'examiner aussi. Ok. Fait que là, dans le fond, si vous avez le droit à deux jets, fait que faites chacun un jet de perception. Perception. Eh bien, pour moi, ça va être un 19. Raquel, dans le fond, c'est une statue là, qui mesure à peu près 5 pieds de large par 10 pieds de hauteur avec des ailes. C'est très grand. Puis tu remarques là, qu'il y a comme une manière un peu sur des rails, puis tu peux la tasser. Il y a un passage en arrière. Ouh! Effectivement. Kriv, tu me donnes un petit coup de main pour la pousser? Finalement, je suis plus intéressant à la porte. Oui, ça aide. Ça vous amène sur un couloir. J'aime les flèches dans le couloir. Et c'est des portes en... Des portes en bois. Non, 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 c'est en pierre. C'est des portes en pierre là, qui ressemblent un peu aux portes d'entrée, mais petites. Là. OK. Que faites-vous? Je vais encore la jouer simple. Je vais encore écouter aux portes, juste au cas où. Là. OK.
pour faire un jet de perception. Ajoute-toi, quand tu vois t'es à l'écoute, là, je fais ça ici. Fait que t'ajoutes-toi un D4. Un D4? Ok, cool. Je peux-tu rajouter un D4 à... Je pense que oui. Au pire, tu roulerais après, là. Ouais. Perception. Je peux juste cliquer sur le D4. Ouais, un D4. Ouais, je pense pas que ça va aider, mais au pire, allez, on va essayer. Simple Roller. Un D4. Ah, au moins. 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12? Ok. C'est... Non, c'est 11, c'est 11. Non, t'entends rien. C'est le silence. Je pense qu'il y a rien d'autre côté. Je pourrais peut-être prendre un peu de temps puis appeler des compagnons que je joue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est vrai qu'on a des cadavres. Vas-y! Vive ma guess! Je t'avoue qu'au début, j'étais pas très à l'aise avec tes compagnons, mais ils nous ont été fort utiles plus d'une fois. Oui, j'avoue. Je les aime bien, ces Todos. En fait, tu fais animer des morts. Ils font du bon bruit. C'est pas des Todos. Je vais sortir deux rations, je vais entendre une à Raquel. Vous avez... T'as faim? Ah, je suis pas contre, oui. Tiens. Fait que je vais faire ça. Bon, pis c'est combien déjà? C'est une affaire comme 4-5. De base, ça en fait un, mais si tu le fais plus haut level, tu peux en animer plus. Ah, c'est deux par level supplémentaire. Il est le dernier paragraphe là, avant le plus haut level, là. Ben, tu peux en contrôler jusqu'à 4. Ah, oh, c'est pas, j'en fais 4. À moins que tu le fais au le... Ah, fait que l'autre fois, dans le fond, lui, il en fait 1, mais si tu le fais plus tu vas le monter de slot level, t'en fais 2 de plus jusqu'à l'occurrence de 4. Okay. Et donc là, ça va donner des zombies, c'est ça? Ouais. Fait que là, c'est un sort level 3. Ouais. Est-ce que tu le fais level 4? Ben, non, je peux pas. Alors, t'en fais un. Zombies. Puis bon. J'ai le choix entre, c'est ça, un quoi, squelette ou un zombie, c'est ça? C'est un corps, ça a l'air à ça, je pense. Le target connecté des choses born ou zombie. Ouais, ben là, c'est des corps. Fait que, ben ouais, tu pourrais décider de juste prendre. T'as le choix, là. Lequel tu veux? Ben. Le zombie est plus fort, fait que, il a moins de l'or d'armure, mais... Donc, un zombie? Ouais, non, on va pogner le squelette. Ouais? Ok, parfait. C'est fait. Qu'est-ce que tu fais avec ton squelette? Ah, ben, pour l'instant, il va me suivre, là. Ok, bon, crive, t'es devant la porte. Quoi que je vois plus mon personnage, là. Ah, faut que tu cliques dessus, je pense. Ouais, mais... Est-ce que je la porte? Ah, ok. Vous voulez que je cogne? Ben non, je pense pas qu'on a tué le chapeau de la Au point où on en est là.
Ok, donc j'ouvre la porte. Attends, on t'envoie du renfort. Mon squelette, oh. il peut l'ouvrir la porte, hein, crève. Bah là, écoutez, j'ai ouvert la porte. Du temps, là. La pièce est vide, puis de toute façon, elle a dit qu'elle ouvrait la porte. Juste pour là, ça change absolument rien.